Salut, c'est Pilote pour hashtag Studio 3. Je suis musicienne et productrice de musique électronique à saveur pop, électro, pop et sentimentale. Je vais chercher dans les émotions et dans les sentiments humains l'inspiration pour ma musique. Ça vient du fait que quand j'étais petite, je voulais être pilote de ligne. Et j'ai fait une licence de pilote PFL de tourisme. Mais je ne suis pas devenue pilote de ligne officiellement. Je trouvais ça amusant en fait de prendre un métier manqué comme nom de groupe. Je trouvais ça amusant puisque finalement ma véritable vocation c'est la musique, donc de mêler les deux, je trouvais ça drôle quoi. Solo pour l'instant puisque j'aime bien être aux manettes. J'ai eu une vie avant avec des groupes, notamment un groupe qui s'appelle Hilldale. Voilà, on a récemment décidé de mettre un petit break à ce groupe-là, donc j'en profite pour me développer personnellement. Try to Explain, ça parle d'une histoire d'amour qui est assez passionnelle, mais il n'y a pas vraiment d'équilibre dans le quotidien de vie, dans le chemin qu'on veut faire ensemble, dans la construction véritable d'un couple. Donc il y a des essais en fait, des essais d'explication, mais ça n'avance pas.
Composé à l'âge de 12-13 ans mes premières chansons à la guitare folk. J'ai fait de la chanson française, j'ai même fait un album avec une maison de disques. Ensuite, j'ai voulu faire de l'indie pop différemment et apprendre à jouer de la basse. Et après, très vite, j'ai appris aussi à produire chez moi dans mon home studio. Mes influences, j'en ai des récentes qui sont plus du côté de R. Ces groupes-là. Et sinon, j'ai plutôt des références pour Fleetwood Mac ou j'aime beaucoup Cyndi Lauper et Kate Bush. J'ai grandi dans les années 90, 80, fin des années 90. Donc oui, je suis complètement là-dedans et je trouve que c'est une des plus belles époques de la musique moderne. C'est vraiment les sonorités qui me ressemblent le plus et qui permettent justement de faire un beau socle pour l'émotion. Bah, Close to Me, c'est une relation beaucoup plus sécuritaire, protectrice, où il y a vraiment un environnement où sans sécurité, mais où il n'y a pas vraiment de passion, parce qu'il se passe rien finalement. Donc c'est complètement l'inverse de Try to Explain, où on est complètement instable. Yeah.
I will never see you again.